Salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite de Oxygen Not Include. On avait avancé petit à petit hein, la dernière fois, on a eu beaucoup de petits soucis, notamment parce qu'on était bloqué d'un colon qui n'arrivait pas. Hein. On voulait absolument un colon qui soit doué en... Je ne sais plus d'ailleurs c'était en quoi... Ah oui, pour pouvoir faire... pour pouvoir faire des recherches spécifiques. On avait réussi enfin à trouver notre petit colon, donc c'était parfait. D'ailleurs, on vient d'avoir une recherche supplémentaire qui nous donne accès à la batterie intelligente. Donc ça, il faudra qu'on le mette en place. Donc j'aurais bien aimé le mettre en place avec justement les générateurs de charbon. Mais là, il faudra qu'on délimite une zone. Ici, on avait dit. Et là, il fallait qu'on termine déjà tout ça. Voilà. Il faut qu'on termine aussi tout ça. Toute notre petite infrastructure à ce niveau-là, il faut qu'on la termine absolument. Donc elle est en construction. Bah, c'est en train de se faire assez rapidement quand même d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Je crois qu'elle est finie. Non, il restait pas mal de... Il restait pas mal de câbles à poser. On va les laisser poser les câbles tranquillement. Alors pourquoi il y a... Pourquoi il y a de l'eau là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a de l'eau ici? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Bah enfin... On va nettoyer tout ça. Je sais pas pourquoi il y a de l'eau, comme ça, par terre. J'ai une idée. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vide-bouteille ici. Ouais, on va faire un vide-bouteille, tiens. Juste pour pouvoir remettre l'eau. Bon, pour l'instant, bon, normalement, le mieux, c'est quand même qu'on ait quelque chose de propre, mais... Voilà, alors, le fait de mettre ça... Voilà, notre filtre à carbone qui va nous permettre de pouvoir enlever les... Pour enlever les algues. On va les démolir tout de suite d'ailleurs. Voilà. Parce que ça va bientôt être mis en place. Par contre, on n'a toujours pas d'électricité. Ça me... Pourtant, ouais. Ah, ça y est, c'est parti. Ok. Et au niveau énergie, pourquoi on n'a pas d'électricité en bas là? Ah, mais parce qu'on les a pas connectés, tout simplement. Bah alors, Bibi, qu'est-ce que tu fais? Alors non, pas là, pas là. Au secours. On va annuler tout ça. Allez, énergie. Fil électrique, du coup, on va passer ici. Alors, on va refaire un petit mur là, comme ça. Hein. Voilà, avec... Est-ce qu'on met une porte? Je vois pas vraiment l'intérêt, mais bon. Et tout, pourquoi pas, hein. Point de compétence, ici. Avant qu'on fasse attention ici, voilà. Moi, je veux bien mettre ça, par contre. C'est uniquement l'eau. Voilà, je veux pas de, je veux pas d'eau polluée, je veux pas de trucs comme ça. Et voilà, ça leur permettra au moins de remettre l'eau en bouteille, comme on dit. Allez, on va les laisser faire l'électricité. Et une fois que l'électricité sera terminée, si mon montage s'est bien passé... Alors, il me manque là. Alors, niveau des liquides, on n'aura plus normalement qu'à... faire passer ce câble ici, si je me trompe pas. Et normalement, on devrait avoir un système qui fonctionne. Parfait. Allez, on va tenter ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Du coup, ça nous permet, voilà, de d'économiser, on va dire, de l'eau, parce que ça pompait beaucoup d'eau, l'algue. Hein. Donc, mais bon, après, là, ici, il faut du sable. Alors, on a demandé le déplacement, hein, si je me trompe pas. Je vais vérifier quand même, mais... Voilà, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de sable ici. Et ça y est, voilà, c'est parti. C'est mis en route. Et donc, vous voyez, ça passe là-dedans. On va regarder un petit peu les liquides. Et après, ça repasse là, vous voyez. Donc là, logiquement, on a un système qui fonctionne. Et en fait... voilà... Comme vous pouvez le voir, en fait, l'eau suffit à elle-même, en fait, et ça consomme très peu d'eau, et on a un système qui fonctionne quand il y a de l'électricité. Donc ça serait bien qu'on ait notre batterie intelligente là assez rapidement. Je pense qu'on va partir là-dessus. Après, il faudra qu'on fasse aussi là-haut pour le... On va faire un deuxième truc de jardinage. On va commencer à préparer les bases, mais...
L'idée, c'est voilà, de faire un truc au même niveau. On va repartir sur sur des tuiles de... Alors, où elles sont ces tuiles? Attendez, je cherche ça. Ah, je mets toujours, voilà, tuiles d'agriculture. Et on va continuer avec les herbes velues, normalement, là-haut. On va voir un petit peu ce que, si on arrive à les poser. Et là, ouais, il faut qu'on fasse notre petite zone ici. Alors, il faut qu'on regarde un petit coup la température. Donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on... En fait, je dis ça, mais en vrai, de toute façon, ici, c'est condamné, entre guillemets, logiquement. C'est condamné par la chaleur, hein. J'ai fait un sas de trucs comme ça, mais c'est ici qu'il faudrait qu'on fasse un sas, en fait. C'est dans cette zone-là. On va faire un truc comme ça. On va voir. On va déraciner ça. On va demander de miner tout ça. Enfin, tout ce qu'on peut. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un... On fasse notre truc assez rapidement. Il y a un truc derrière, voilà. On est en vitesse, on va passer en vitesse maximum. Il y a du boulot ici. Et le problème, c'est qu'on peut pas... On va mettre l'épée là, comme ça. C'est pas grave. Ah si, ça y est. On va pouvoir faire l'épée. L'épée, l'échelle. Et en fait, ici, on va annuler... aussi. Voilà, on va laisser par contre. On va faire le même système. Voilà. On va continuer avec notre échelle. Quoique non, en fait. Hein. On va laisser comme ça, en fait. Ah, je sais pas ce que je fais. Mais je suis en train de le faire, en tout cas. Ça, c'est clair. On est en train de faire un double, une double tuile isolante. Alors, je sais pas si c'est vraiment... C'est vraiment utile, ce qu'on est en train de faire. Là, je fais une tuile isolante ici, mais l'ennui, c'est que... Moi, je vais avoir de la chaleur qui va se générer là. On va faire une tuile. On va faire une tuile là. Allez, je sais ce qu'on va faire. Enfin, je sais. Je ne sais pas du tout ce que je fais, mais on va faire semblant. On va faire semblant de savoir. On va demander tout ça là. Mais là, on a 5. Ouais, allez, on va faire semblant de savoir. On verra bien ce que ça donne. Hop, on va faire comme ça parce que température à gauche ça donne quoi? Ouais, de gauche c'est plutôt chaud aussi. Hein. Il y a pas mal de choses qui génèrent de la chaleur ici. Et d'ailleurs, je sais pas où on en est là-haut là. Bon, ça a l'air d'aller visiblement, mais bon, c'est pas terrible quoi. Par contre, pourquoi ils vont pas faire ça là-bas, je ne sais pas. On va pouvoir démolir le reste par contre. Hop. Voilà, tout ça, ça sert à rien. Ok. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que j'aimerais mettre en place du coup ici ma batterie... un générateur de charbon. Que je vais mettre là. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais... C'est ce qu'on va faire.
Donc on va tester ça comme ça. Et puis du coup on va mettre une... On va mettre une grosse batterie peut-être. Alors c'est quoi déjà la batterie intelligente? Je sais plus. Je ne sais plus. On va mettre une grosse batterie avec. On va voir ce que ça donne. Hop, on va relier ça. Ah, ici, j'aimerais qu'on relie là, voilà. Et là, j'aimerais qu'on relie ici. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est ça, la seuil de demande. Alors, les duplicants sont invités à livrer du charbon lorsque la charge des batteries connectées sera sous 50%. On va mettre... On va mettre 15%. On va voir ce que ça donne. Ok. Forcément, ça manque d'oxygène ici, mais c'est pas grave. C'est un petit peu normal. Dans le sens où c'est une toute nouvelle zone. Ah, j'avais pas vu qu'on avait... Choisir un plan. Des conserves de goûts. On va prendre ça. Hein. J'ai même pas regardé les colons. Parce que là, des colons, on en a beaucoup trop. Alors, faut qu'on fasse attention. Parce que là, on fait plus du tout de recherche. Et ça, c'est pas bon du tout. Je sais pas vraiment vers quoi partir. Est-ce qu'il y a des choses qui me parlent? Ça, ça me parle. Il faudra qu'on s'en serve de ça. Donc, on va prendre ça. Que je regarde un petit peu... Ça va être pour notre système ouais, aquatique, hein, comme on va dire. Et voilà, comme ça, au moins, ça va permettre d'avoir de l'électricité en constance. Conduite bloquée. Ah. Il y a un truc qui va pas, du coup, dans notre truc. Pourtant, il me semblait bien que c'était ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système? Moi, je l'avais vu comme ça, ce système. Et on a peut-être un truc à purger, non? Alors, attendez. Pourquoi ça fonctionne pas? Le kit sorti, oui. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas là? Je comprends pas trop. Pourtant, ça se passait bien au début là. Ça se passait bien et d'un coup, ça se passe plus bien là. Est-ce qu'il nous faut peut-être un... Bah non, il faut pas de sortie d'eau là, logiquement. Punaise. Un peu perdu là. Je suis un peu perdu dans mon histoire là. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas ce qu'on a raté. Alors, ici, moi, je voulais mettre voilà, des baies velues. Et on va copier les paramètres. Hop là, voilà. Alors, je sais pas si on va arriver à faire tout ça, mais on va essayer. Alors là, par contre, ce qui va être intéressant ici, ça va être de placer des choses. Alors oui, c'est là que j'ai fait de la bêtise. On va annuler ici. En fait, on va démolir ici plutôt. Parce qu'on a des choses à construire à côté. Copier les paramètres.
Voilà. Il y a des choses à copier. Il y a des choses à construire à côté. Faut que je me rappelle quoi, mais. Il y a des choses qui vont nous permettre. Là, par exemple, on n'est pas bon aussi. Hein. Annulé. Nous, c'est un poil plus haut qu'on le veut. Voilà. Hop, on va mettre de la tuile ici. Parce que je sais plus encore exactement ce qu'il faut qu'on mette. On va continuer à monter par là. Creuser tout ça. Petite échelle qui va bien. Voilà. Est-ce qu'ils ont terminé en bas ? Ils ont pas le... Ils ont pas mis la batterie encore. Ici, il faudrait qu'on éponge aussi. Hop, voilà. Je suis un petit peu inquiet que mon système fonctionne pas là. Il faudra que j'aille re-regarder exactement comment il est censé fonctionner. Mais normalement, il me semblait vraiment que c'était comme ça que ça devait le faire. Je suis un petit peu surpris que ça fonctionne pas, cette histoire. Mais bon, on verra bien. Hein. Ce qui va être intéressant, par contre, ça va être de copier là. Voilà, et on va pouvoir creuser cette partie-là. On est d'accord que niveau température, ici, on est bon. Ouais, c'est bon. Et je pense qu'on va s'arrêter là, d'ailleurs. Voilà. On verra après ce qu'on fera ici, mais... Ouais. Je pense que là, ça va être la limite. Et là, il y aura une deuxième limite, alors... Je sais pas si c'est vraiment utile de mettre deux fois des trucs comme ça, mais... Alors, on a les compétences à mettre. Oula, on a des compétences pour tout le monde. Le problème, c'est que... On arrive à un moment, voilà, où... Le moral, on n'est pas génial pour certains. Analyse géographique, on va lui mettre ça. Hein. On a l'expertise minage ici, mais ouais, c'est limite hein, au niveau du bonheur. Faut vraiment qu'on arrive à leur mettre un petit peu plus de bonheur à nos duplicants là. Il y a un point de compétence, mais. Ah, il faut du transport, ok. Ça, on peut se permettre. Et ça, ouais, on peut se permettre aussi. Mais bon, moyen, quoi. Voilà, par terre. Du charbon, d'accord. Pourquoi pas. Bon, alors, on a mis plein de boulot, hein, encore une fois. Donc, forcément, tout ça va prendre du temps. Ah, il me semblait qu'il fallait des... il me semble qu'il faut des lumières ici, voilà. Éclairage, c'est ça. Donc on va regarder si on l'a, mais je crois qu'on l'a, voilà, plafonnier. Alors le but, voilà, c'était de prendre tout ça. Ici, ah mince, il y en a juste une où ça sera pas bon. C'est un peu nul ça. Je vais pas refaire juste pour un, donc celui-là on va le démolir, je pense. Voilà. Il va falloir y brancher électriquement quand même. C'est quand même mieux. Hein. Mince. Électrique. Hop. Ok. Il n'est pas branché. Ah oui, non, on l'a débranché. Alors je sais plus pourquoi. Respirabilité, on est à 68%, mais ici, ça fonctionne plus ici. Alors, ça m'embête un peu, là. Ça m'embête même beaucoup. J'ai pas spécialement envie de remettre mes trucs d'algues, en plus, là. Bon, après, il nous dit 67% parce qu'on a toute cette zone qui est pas bonne, hein. Et là... Ça consomme, ça, hein. Je pense, hein.
J'espère qu'on a beaucoup de charbon. J'en sais rien. On va regarder notre, notre système là. Ok. Réservoir de liquide. Alors est-ce que c'est pas ça qui nous manque dans, dans le système là? Je ne sais pas. C'est possible hein. C'est possible que ce soit ça qui nous manque. Hein. Faudrait que, faudrait qu'on re-regarde ça. Faut que j'arrive à re-regarder ça. J'espère que bon, normalement, ça devrait pas avoir trop d'incidence sur, sur cette vidéo là. Ah oui, je rappelle aussi qu'à partir de la prochaine vidéo, donc dimanche, dimanche prochain. Il y aura des montages, donc voilà, il y aura tous ces petits moments-là où je pourrai couper, regarder ce qui va pas, etc. Et vous les verrez pas. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Ça, c'est assez important, je voulais vous le dire. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes en recherche? Je sais plus trop. Ça, il me semble qu'il faut qu'on s'en occupe de ça. Ah oui, de toute façon, on a les toilettes, là. On va partir là-dessus. Parce que de toute façon, il faut qu'on avance. Donc, allons-y. Niveau nourriture, on est comment? Niveau nourriture, on est bien. Après, bon, on est bien aussi parce que on a eu pas mal de nourriture portail. Mais là, avec les baies velues, ça devrait quand même bien se passer. Regardez, on a... Tout de suite, on a ce qu'il faut. Ah, il y avait un truc, voilà, qui permettait normalement de pouvoir... pour améliorer les cultures. Non, c'était pas ça. Je sais pas si on l'a débloqué en fait. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'était pas ça. Je sais plus exactement. Enfin bref. Comment ça se passe là? Ça a l'air d'aller hein, quand même. Hein. La batterie est bien opérationnelle. Ah, c'est vrai qu'on stocke beaucoup plus d'énergie aussi. Donc plus on va stocker d'énergie et mieux ce sera. Je pense qu'on va mettre une deuxième... on va mettre une deuxième batterie. Je pense que ça peut être intéressant pour... pour l'opérateur, parce que plus il va faire ça, et plus on va pouvoir stocker et pas avoir besoin d'utiliser de... Ah oui, c'est ça qu'on voulait faire aussi ici, c'est pouvoir mettre un bac de stockage où on aura notre charbon, du coup. Je crois qu'on n'en a même pas du charbon, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on en a... hop, voilà, charbon. Est-ce qu'il est là-dedans? Oui. Okay, les paramètres. Ok, c'est bon. Ici, normalement, il n'y en a pas. Ouais, non. Ça, c'est mes stockages de base. Donc, voilà, il devrait retirer le charbon qui est là pour pouvoir le positionner en bas. Normalement. Pour le moment, le vélo a l'air de suffire. Déjà? De l'engrais? C'est, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait. C'est de l'engrais, il faudrait qu'on ait. On va prendre de l'engrais, mais... il faut qu'on arrive à le fabriquer, cet engrais. Je sais plus exactement avec quoi, mais... Il y a quelque chose qui nous permet, normalement, de pouvoir en fabriquer. Je pense qu'on l'a peut-être pas encore recherché. C'est bien possible, hein. C'est bien bien possible qu'on l'ait pas encore débloqué. Peut-être dans les recherches de base. Enfin de base. Ah je crois que c'est ça. Oui c'est ça. On va partir là-dessus parce que là-dessus je sais que je vais en avoir besoin rapidement. Pas de semences disponibles. Bon, ça c'est pas très grave. S'il en manque juste un. Il y a un truc qui est pas ramassé là. Je comprends pas. Ramasser hein, les amis hein.
Ils ont vraiment du mal à tout prendre, là. Hop, 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 hein. Hop, voilà, ça c'est bon. Bon, ça on peut pas le ramasser de toute façon pour le moment. Ok, ici ça a été terminé. Alors faudrait que je regarde un petit peu d'ailleurs. J'ai des trucs en rouge. Abyssalite, j'ai pas de stockage. Ok. Ça donne quoi niveau température, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, mais je pense que c'est parce que on a chaud-froid et du coup ils ok. Par contre, ouais, abyssalite, c'est quoi Température se chauffe plus 200 degrés, d'accord. Hop, on va annuler tout ça. Là, on est bon. Ok. Allez, on va les laisser bosser un petit peu. Ok, la recherche a été faite. Ah non, pas encore. Pas encore, c'est en train d'arriver. Poste de contrôle électronique. Ah, il manque un peu de bonheur, hein, mes duplicants, là, c'est un peu dommage, mais... Ça manque un peu de bonheur, hein. Est-ce qu'on a un petit distributeur d'eau au niveau de la cantine? Oui, ça c'est bon, on l'a fait. Qu'est-ce qui pourrait être bien, là, pour leur donner un petit peu de... Piédestal, ça fait quoi? D'accord. Médical, je suis pas sûr que ça serve pour le moment. Ah, il y aurait les toilettes qu'on pourrait faire, mais pour l'instant, on n'a pas encore de vrai système de, on va dire, d'égout. Et je pense qu'on le fera là, notre système d'égout. Ouais, même s'il fait chaud. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'occupe de cette partie, je pense. Ouais, on va s'occuper de cette partie. Hop, on va demander une petite échelle qui va descendre ici. Allez, c'est parti. Alors, on a fait beaucoup de dalles isolantes, mais... Je sais que la chaleur peut être vraiment un vrai problème dans ce jeu, donc... Descendre jusque là. Là, je sais vraiment pas où est-ce que j'ai foiré mon truc, quoi. Je suis presque sûr de l'avoir vu comme ça, ce machin là. Ce système. Je suis presque certain de l'avoir vu comme ça. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, c'est que je suis sûr d'avoir vu construit de cette manière. Donc ça m'embête un peu. C'est quand même bizarre, hein. On va faire peut-être un autre verseur d'eau ici, je pense. Parce que là, sinon, ça va déborder. Je suis en train de réfléchir, hein. Je suis en train d'essayer de réfléchir à ce qui va pas. Et j'ai vraiment du mal à saisir. Je ne sais pas. Voilà, le principal c'est de couvrir au moins tout ça le temps qu'on se rappelle exactement comment faut faire. Parfait. Non, pas d'eau polluée, merci. Comme ça, au moins, il devrait remettre l'eau ici. Alors, on n'a plus de recherche. On va continuer les recherches. Fournit des rafraîchissements. Ouais, ça me dit rien pour le moment.
On va partir sur du raffinage primaire pour avoir le concasseur de pierre. Alors, ce que je disais la dernière fois, alors c'était pas une station de soins ni un épurateur de compétences. Ouais, il me semble que c'est ça. Utilise de l'eau polluée et du phosphorite pour produire de l'engrais. Il me semble que c'est ça qu'il me faut. On va construire ça. Et ça, je crois qu'il va me le falloir en direct avec. Avec quelque chose. On va le brancher déjà. Mais il me semble qu'il faut le brancher aussi au niveau d'un tuyau. Qu'est-ce que ça rejette? Pas d'entrée de liquide eau polluée. Ah oui, donc il me faut de l'eau polluée, hein. J'ai pas le choix. Donc il faudrait que je fasse un système pour aller récupérer l'eau qui est ici, du coup. Ok. Donc on va servir de là, de cet endroit-là, je pense. Ce sera le mieux. On va essayer de faire ça. Alors, je voudrais un sas. Parce qu'on va pas rentrer ça là-bas comme ça. On va le mettre là. Notre petit sas. Est-ce qu'il y a besoin de filtre? Ouais. On va voilà monter jusque là, je pense. Ah, est-ce qu'on n'aime pas mieux que ce petit sas manuel? On va mettre un sas mécanique plutôt. On va se permettre, hein. Voilà, on va du coup poser. On va poser du coup des tuiles de l'autre côté. Alors c'est là que ça va être un petit peu technique. Parce que là, j'aimerais bien qu'on arrive à faire un bac d'eau usée. Ce serait pas mal. Ça veut dire qu'il faudrait creuser cette partie-là. Pour moi. Alors, si j'annule ça. Si je le fais comme ça. Si je le fais comme ça, l'eau va couler là. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Par contre, il faut que mon échelle, elle descende jusqu'au bout, là. Voilà. On va pas se servir de ce bac-là. Il est beaucoup trop loin. Mais on va se servir de ce bac-là. Ici, ça va rejeter de... Voilà, de l'eau... De l'eau polluée. Et donc, l'eau polluée, on va faire en sorte qu'elle passe ici. Peut-être pas là, peut-être plus comme ça. Et on va faire une sortie. On va essayer de faire tout ça comme ça déjà. Ah, est-ce que j'ai annulé le... Non, c'est juste que ça a été construit. Okay. Alors je sais qu'il y a des petits désodorisants aussi. Voilà, des petits désodorisants qui peuvent être pas mal. On pourrait placer à l'entrée et à la sortie. Je pense que ça peut être bien de mettre ça. Parce que vu que ça va être un endroit très pollué ici, ça peut être pas mal de brancher ça. Alors, si on creuse pas ici, ils pourront pas aller plus loin. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, on m'en est de mettre de la tuile à ce niveau-là. Voilà.
Ok, voilà, le but c'est que les deux eaux d'horizon fonctionnent. Alors là, il va falloir qu'on mette de la tuile aussi, parce que sinon ça va leur faire un malus de... mocheté. Alors là où on a été idiot, c'est qu'on n'a pas placé ça au bon endroit. On va annuler la construction ici. On va démolir ça. Pas le désodorisant par contre. Par contre, ça a démoli le câble, visiblement. Oui. Et on va refaire aussi la tuyauterie. Hop. Et là, si on arrive à avoir... C'est en bas que je veux. Conduit de liquide, voilà, démolir. Ok. Du grès ou du charbon. Charbon tout de suite. On en a 5000 tonnes. Ok, donc ça c'est bon. Ça va être bon du coup. On va le brancher électriquement. Alors voilà, juste je sais pas si. Je sais pas si c'est tout ce qu'il faut pour ça. La terre polluée en engrais pour les plantes domestiques. Donc à la limite, vaudrait mieux mettre le compost à cet endroit là alors. Ou alors on met un bac de stockage avec la terre polluée de, avec la. On met la terre polluée là-dedans quoi. Est-ce qu'on la stocke ici la terre polluée? Oui. On la stocke là. On va faire ça. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là. On va voir un petit peu. Je vais revoir un petit peu le système qui est ici. Je vais revoir aussi également comment se resservir déjà de. Des douches, etc. pour pouvoir avoir un vrai système de, d'eau. Voilà. Donc on va essayer de faire tout ça. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour la suite. Où ça ira beaucoup plus vite en avancée. Puisque comme je vous ai dit, on va faire du. On va faire du montage. Alors attendez, on va juste faire ça parce que. Voilà, je voudrais ne pas oublier. Terre polluée. Ok. Et du coup on va demander à la retirer d'ici. Copier les paramètres. Et voilà, c'est enlevé d'ici. Et puis bah on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye tout le monde.